Vif et rapide, les coups partent. Gilles Zouani s'entraîne à la boxe. Devenir une gloire du ring, il en rêve et travaille dur pour y arriver. La boxe est dure, c'est pas un jeu, c'est plutôt un combat. Il faut être dur dans la boxe. Un mental d'acier qui lui fait oublier des installations d'entraînement vétustes. Ici, le ring est improvisé au bord d'une ruelle. Avec quelques cordes tendues, les boxeurs foulent le béton en rythme. Malgré son ring de fortune, ce club, ouvert il y a 40 ans, est légendaire dans la capitale congolaise. Il a formé plusieurs boxeurs professionnels. Aujourd'hui, une trentaine de jeunes talents s'y entraînent tous les jours. On bricole. Les rings, c'est par terre. Il y a du talent dans tous les domaines. Mais ce sont les conditions. Les conditions de vie, les conditions d'entraînement. Le mettre dans des conditions, tous ces jeunes ici, demain, on sort des grands champions. Pour ce club, les Jeux de la Francophonie représentent l'espoir d'avoir enfin une vraie salle d'entraînement. Car pour accueillir les compétitions, Kinshasa, la capitale dépourvue d'infrastructures sportives en bon état, a fait construire 5 gymnases. Comme celui-ci qui abrite le terrain de basket. Sur un parquet flambant neuf, les basketteuses congolaises disputent un match sur un terrain qui répond aux normes internationales de la discipline. Une première pour l'équipe nationale. Avant, on jouait sur le béton. On n'avait pas de palais de sport. Donc on essayait seulement de voir avec le lycée français. Le lycée français pour organiser les éliminatoires. Et maintenant là, c'est bon. On peut organiser n'importe quelle compétition internationale. Et voilà, donc on est très très contents. Des sportifs contents et un public conquis. Pour la première fois, grâce à ce gymnase, Kinshasa a pu organiser un match de basket ouvert au public. De quoi mettre du baume au cœur à tous les amateurs de sport de la capitale.